une parmi les victimes, ce qui ne s'est rescapé dans sa drame, ce qui nous est venu ce matin. Donc, vous pouvez expliquer un peu comment ça s'est déroulé. Normalement, nous faisons partie des pêches entre mes camarades, comme d'habitude, nous avons la pêche ensemble. Mais puis, arrivé, hier, nous sommes sortis vers 4 heures, nous avons encore tiré au noir, nous avons la pêche. Et le temps qui paraît correct, quand nous faisons une pêche bien, et étant donné qu'il arrive vers 3 heures du matin, quand nous faisons une vague de 7 mètres, ça vient du bateau. Et dans cette année-là, toutes les trois personnes tombent dans de l'eau. Et là-dedans, quand le bateau finit de s'avirer, nous faisons relever chez Tapiron, nous pas faire une trolley. Nous faisons relever, nous pas faire une trolley. Et moi, avec mon collègue Christine, nous faisons à l'eau bateau pour nous récupérer nos affaires personnelles. Et nous allons nous nager, nous allons lever nos bateaux. Dès que nous rentrons, nous allons nous taper mes affaires pour qu'ils soient capables d'informer mon madame. Parce que mon difficulté, je dis que nous allons bien et nous avons des affaires qui tombent dans l'eau. Investir dans le Coast Guard pour qu'ils sauvent nos navires. Et finalement, dans 15 minutes comme ça, nous faisons regagner une vague encore, après 6 mètres, nous faisons servir le bateau là complètement. Nous finissons à nouveau dans de l'eau. Là, nous finissons vers brisant. Quand nous disons de propre secours. Et étant donné, Coast Guard en même temps est venu, tu veux faire patrouille, nous signaler, il venait, il nous récupère moi. Et nous allons nous récupérer mon collègue, nous essayons pour de tapiron, de ne pas faire trop du tout. Et là, ce qui finit arriver, c'est accident. Hein. Et pas tu que ça vient dans la piste, hein? Dans le petit roche noir. Et en retournant, qu'ils aient pris un problème là, non. C'est-à-dire que nous pouvons continuer la pêche. Tu as fini avec ce problème là. Nous ne pouvons pas espérer qu'il nous ait une vague de 7 mètres l'eau nous bateau. La mer comment tu étais à un moment? Et la mer était correcte dans le moment où nous pouvons la pêche. Vers le désert, comme ça la mer commence à bouger un petit peu. Et là, vers 3h15, comme ça 3h, nous recevons ça vague 7 mètres là. Quand tu viens de nous donner l'eau. De tous les droits. C'est Coast Guard qui nous transporte à l'hôpital? Et oui, c'est Coast Guard qui vient de récupérer nous. Le financement de sauvetage, cela ramène nous jusqu'à le coup d'eau, le terrain de football. Et là-bas, l'ambulance nous récupère nous, ramène nous à l'hôpital. Mais tout à fait, dis pas tout le temps, longtemps, si vous êtes maintenant. Mais c'est moi, je suis content, je vais nous aller, c'est moi, à quoi? Mais pas tout le temps, aussi longtemps, si vous êtes maintenant. Est-ce qu'il y a une première fois qu'il y a un tel choc comme ça? Bonne passée, mais nous avons un problème de navigation dans la mer. Mais celle-là, c'est la cause terrible, vraiment dire. C'est nous trouvons déjà l'amour en personne, en face. Et c'est que le bateau là, il casse en plusieurs coups sur le cassandier. Le bateau là, il est une version froide, il commence à s'avérer l'eau récif, là, il commence à casser.